Nabil. Non, mais c'est exactement ça. J'ai eu la chance d'interviewer Slim Ben Othman, qui est un peu le directeur sportif, le manager général de la Tunisie. Et c'est vrai que comparé à l'Algérie, au Maroc, il y a un petit peu moins de talent, notamment offensif. Et il me dit, l'équipe de Tunisie, c'est une équipe intelligente. Leur force, c'est l'intelligence. Ils savent exactement ce qu'il faut faire. Chacun sait exactement ce qu'il faut faire. Il peut y avoir également des dépassements de fonction. Allez, ils ont gagné une CAN en 2004. En 96, si je dis pas de bêtises, ils arrivent en finale face à l'Afrique du Sud. Étonnamment, ils étaient en demi-finale en 2019. Ils ont pourri la vie du Sénégal jusqu'au bout. Ça a été même en prolongation. Ils ont piégé le Nigeria en 2022, mais personne ne les annonce jamais comme favoris, alors que c'est une des équipes africaines qui a le plus participé à la Coupe du Monde, par exemple. Serge. Non, mais justement, pour répondre à ce que Nabil disait à l'instant, qu'ils ont éliminé le Nigeria contre toute attente, hein, c'est vrai que moi, lors de ce match-là, je ne les voyais pas du tout sortir le Nigeria. Le Nigeria faisait partie des favoris. Ils avaient fait un premier tour exceptionnel avec tous leurs attaquants, même en l'absence d'Osimhen. Mais ils ont réussi à battre cette équipe. Et on se rend compte que, contrairement à l'Algérie ou au Maroc, c'est une équipe qui est plus à l'aise avec les équipes subsahariennes aussi. Où des fois, le Maroc ou l'Algérie, ils ont un peu plus de mal. On l'a vu sur la dernière CAN, notamment avec l'Algérie. Mais la Tunisie, pour les avoir affrontés à plusieurs reprises avec le Togo, ils n'ont aucune difficulté contre les équipes subsahariennes, donc ça peut être aussi une force. Vous évoquez le Maroc et les équipes subsahariennes, on en parlera tout à l'heure hein, avec le groupe F, et notamment on écoutera Walid Regragui à ce sujet. Restons d'abord sur cette équipe tunisienne, le regard sur le 11 type possible, Nabil, de cette formation, ouais. Avec pas mal de rotations au final. Il y a des noms qu'on aurait pu voir, d'autres alors, moins. Ça tourne pas mal, non? Ouais, c'est comme pour tous les groupes, il y a 15-16 joueurs. Alors, leur force principale aujourd'hui, c'est quand même le double pivot. Je pense que Rafia sera plutôt un peu plus haut en milieu hybride, mais Skiri, Laïdouni, c'est vraiment du lourd. Mm-hmm. Skiri en Bundesliga, Laïdouni également en Bundesliga. Absolument. C'est vraiment deux gros joueurs. Ensuite, vous avez une charnière centrale avec Taibi du côté de Lorient. Meria, lui, qui joue à l'Espérance. Après, ils peuvent également, ils mettent Abdi à gauche, mais ils peuvent mettre Maloul, qu'on voit avec le Ali du Caire également pour jouer un peu plus haut. Devant, c'est là peut-être où ils sont un tout petit peu plus faibles, peut-être en termes de talent. Il manque un peu de percussion. Slity peut rentrer. Il y a Elia Achouri qui peut ressembler à une des révélations de la compétition. Jouini a un petit temps d'avance. Il joue au stade tunisien. Et après, il y a le facteur X. On verra dans quel état il est. Mais bon, c'est un des meilleurs joueurs du continent sur les 10 dernières années, sans aucun problème, Youssef M'Sakni. La passe décisive de Nabil Djellit, Youssef M'Sakni, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations contre le Nigeria, ça donnait ça. Youssef M'Sakni, faut-il le rappeler, sa 8e Coupe d'Afrique des Nations dans quelques jours à peine. Alain, je passe d'abord par vous parce que je sais que vous êtes très admiratif le concernant. Oui, je trouve que c'est un très bon joueur. Il est très très technique, voilà. Et je pense que c'est le leader technique de cette équipe. Et tout dépend de lui. Quand il est bien, la Tunisie est injouable. En fait, on pense peut-être tous la même chose, mais plus de la même manière, Serge. Aujourd'hui, vous pensez quoi? Qu'il est peut-être à poil trop âgé, tout simplement? Trop âgé, je ne sais pas, mais en tout cas, physiquement, il commence à montrer ses limites. Hein. C'est vrai qu'il a fait évoluer son jeu, déjà, on l'a vu lors de la dernière CAN. Ouais. Il ne pouvait plus forcément faire les courses hein, à l'époque qui étaient très difficiles à suivre, parce que l'une de ses forces, c'était sa conduite de balle en percussion. C'était vraiment difficile, il allait très vite. Là aujourd'hui la vitesse il l'a plus, et lors de la dernière CAN, sincèrement, pour avoir suivi un petit peu les matchs de phase de poule et notamment le match contre le Nigeria, il a plus cette vivacité qui faisait sa différence. Il a plus le coup de rein, alors contre le Nigeria la technique ça se perd pas hein, même à 50 ans on utilise un ballon, voilà. Contre le Nigeria il en a sorti un, mais sur le reste de la compétition j'ai pas senti un joueur capable physiquement en tout cas d'aller plus loin. Donc là on est 2 ans plus tard. Pour moi, ça risque d'être un peu limite. Mais Serge, je m'excuse. Hein, je pense que lors de la dernière Coupe d'Afrique, M'Sakini revenait de blessure. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Il revenait de croisés. Donc du coup... C'est vrai que c'est une compétition déjà. C'est un poste où physiquement, si on n'est pas bien, c'est compliqué. Et puis, s'il est sur le terrain et s'il a la confiance de ses dirigeants, ça veut dire que lui aussi, dans son jeu, il a su se réinventer. Et puis, c'est le guide, c'est le leader technique, Alain l'a dit. Ça veut dire qu'autour, peut-être que tout le monde doit se mettre un petit peu au diapason. Il y a d'autres sélections comme ça, dont certaines qui gagnent des Coupes du Monde, où il y a un joueur majeur et tout le projet tourne autour de ce leader et de cette différence qu'il est capable de faire à un moment donné. Et Nabil, quel joueur majeur? Ah oui, c'est incroyable. J'ai souvent discuté avec des joueurs qui l'avaient affronté. On a l'impression qu'il glisse et des fois, on a l'impression qu'il pousse le ballon trop loin. Tu penses que tu vas le récupérer et au dernier moment, il te...
Ben, il fait la différence. Alors, c'est vrai, il a perdu des cannes, mais il a plus de maturité. Moi, je me suis un peu renseigné. Il participe un peu plus aux tâches défensives. Il est un peu plus dans l'esprit collectif. Est-ce que c'est pour compenser peut-être le manque de percussion? Mais là, au Qatar, où il joue depuis un moment, puisqu'il a fait toute sa carrière au Qatar, enfin une grande partie de sa carrière, puisqu'il avait gagné la Ligue des Champions avec l'Espérance, et puis il est parti pour un transfert exponentiel du côté du Qatar. Il est très en forme. Il enchaîne les buts et l'année dernière, il a même été élu meilleur joueur du championnat. Bon, ok, c'est le championnat du Qatar, mais lui, il a la capacité de switcher dès qu'il passe en tournoi final en Afrique parce que c'est son continent et il le connaît parfaitement. Avec Al Arabi, effectivement, au Qatar. Est-ce que tu penses que la Tunisie fait partie des grands favoris? Est-ce que tu classes la Tunisie parmi les favoris pour pouvoir remporter cette CAN en Côte d'Ivoire? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Tunisie. On va parler des potentiels favoris. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, est-ce que tu penses que la Tunisie fait partie des favoris? Moi, je pense que non. Pour moi, les grands favoris, c'est le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire. Je place d'abord la Côte d'Ivoire en tête. Côte d'Ivoire, ensuite Sénégal. Sénégal parce qu'ils ont les joueurs de qualité. C'est le tenant du titre. Ensuite, le Maroc parce que c'est une équipe qui joue très bien, ça produit du beau jeu. Et en plus, ils sont demi-finalistes de Coupe du Monde. Je vais également mettre l'Algérie. Mais pour moi, je ne place pas la Tunisie au même titre que le Maroc, que le Sénégal, que la Côte d'Ivoire. Mais attention, ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce que tu n'es pas favori, tu n'es pas le grand favori, tu n'es pas un grand favori, que tu ne pourras pas remporter la CAN. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas parce que tu n'es pas parmi les grands favoris pour remporter la CAN que tu ne pourras pas remporter la CAN. Ça n'a absolument rien à voir. En 2012, la Zambie était un toka. La Zambie était un toka. Personne n'aurait mis une pièce sur la Zambie. Mais la Zambie a remporté la CAN. La Zambie a remporté la CAN. Donc, lorsque je fais les vidéos, j'analyse de manière objective, de manière rationnelle. Je mets les émotions de côté. Vous voyez que je ne mets même pas mon pays au Cameroun. Je ne mets pas mon pays au Cameroun dans les favoris. Parce que j'estime que, avec l'effectif qu'on a, pour moi, j'estime que le Cameroun ne fait pas partie des favoris. Peut-être, certains diront que non, c'est un favori naturel parce qu'ils ont 5 ans, on a 5 ans. Mais lorsque tu regardes au présent, vu l'effectif qu'on a, pour moi, je ne mets pas le Cameroun favori. Il faut être logique. Il faut être rationnel. Je ne mets pas le Cameroun favori. Donc, les gars, ce Cameroun-là, moi, je l'ai placé à favori. Je place plutôt le Sénégal. Je place la Côte d'Ivoire. Pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est le favori numéro 1. C'est le favori numéro 1. Ça joue bien au ballon. Ça joue à domicile. Ça a des joueurs qui sont très, très forts techniquement. Ils ont un milieu de classe mondiale avec les Seko Fofana, les Sangaré et Kessié. C'est du très très lourd. Sans compter que tu as une attaque de feu. Jonathan Bamba, Jérémy Bouga, Mas Alain Gradel. Il y a vraiment de la qualité dans cet effectif de Côte d'Ivoire. Ce qui me plaît avec cette CAN, c'est que généralement, ce ne sont pas les favoris qui remportent cette compétition. Regardez, en 2012, c'est la Zambie qui l'a remporté. En 2013, c'est le Nigeria. Pourtant, le Nigeria n'était pas parmi les favoris. En 2013, c'était la Côte d'Ivoire. En 2015, tu avais une équipe d'Algérie qui dominait le foot. Donc, en 2015, pour moi, c'est l'Algérie qui aurait dû remporter cette CAN. En 2017, c'est le Cameroun qui remporte la CAN. Pourtant, le Cameroun est loin d'être une équipe vraiment favorite. Le Cameroun remporte la CAN 2017 avec une équipe très moyenne, pour ne pas dire catastrophique. Parce que qui connaissait ces joueurs avant que le Cameroun remporte la CAN? Quasiment personne. En 2019, pour moi, c'est la seule fois où un pays annoncé favori remporte la CAN, l'Algérie à l'occurrence. En 2021, le Sénégal n'était pas annoncé parmi les grands favoris. Regardez même les matchs de poule. Les matchs de poule du Sénégal en 2021, c'est très poussif. C'est très, très poussif. Mais ils sont montés en puissance au fil des matchs. C'est comme ça. L'appétit vient en mangeant.
Donc, ce qui me plaît dans cette CAN, c'est que généralement, ce sont les favoris qui remportent cette compétition. Donc, ce n'est pas parce que la Tunisie ne fait pas partie des grands favoris qu'elle ne pourra pas remporter cette CAN. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, mon favori principal, je le maintiens, pour moi, c'est la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est la Côte d'Ivoire. Mais cette équipe de Côte d'Ivoire, parfois, elle déçoit. On les place favoris, mais après les matchs de poule, généralement, ça déçoit. J'espère qu'ils vont répondre aux attentes parce que c'est le pays organisateur. On souhaite au moins se voir le pays organisateur jouer au moins les quarts de finale, demi-finale. Sinon, les stades seront vides. Les stades seront vides et ça fera une mauvaise publicité du foot africain. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre rébut, les amis. Ciao, ciao.